tête le matin, mais c'est ça la réalité des choses, d'accord? On va entamer une série de vlogs tous les jours, parce que faut se chauffer. Je crois que c'est le seul moyen pour que... on se fasse connaître au fur et à mesure du temps, les amis. Donc vous allez nous suivre dans nos aventures. C'est bon, là? C'est bon pour moi. Bienvenue chez les Herbes. Vlog partie 1. Il fout tout dans le décor. Putain, ça casse. On casse pas tout, hein. Ouais, c'est... ça, c'est le meilleur. Ça, les amis, c'est des citrons. On prend un citron pressé. Pourquoi? Pas parce qu'on est pressé. Rien à voir avec ça. Le matin, vous avez testé, vous avez dormi 7, 8, 9 heures, je sais pas combien de temps. Vous avez besoin de vous hydrater. Donc, faut prendre un grand verre d'eau avec un citron pressé. Citron pressé pour les vitamines. Ça permet de basifier le sang, parce que quand on mange très protéiné comme nous, ben, on a tendance à avoir un sang qui est un peu acide. Position de demi-squat, et on travaille. Qui fait ça? Je sectionne. Nous enlevons, vous voyez. Parce que vous ne mangez pas cette partie-là, on est bien d'accord. On est d'accord? Vous ne mangez pas cette partie-là? J'enlève. Céréales, fromage blanc, citron. Ça, on met un petit peu d'eau tiède ou eau froide, comme tu veux. Dans le citron? Ouais, dans le citron. Ouais, on est d'accord. Pas que les abonnés commencent à mélanger ça avec de l'eau et le citron, parce que ça n'a pas de sens. Tu t'en vas? Yo l'équipe de Bodyguard! Entraînement! Ça a coupé, on n'avait plus de place dans la caméra. Donc là, ça se voit pas, mais on est chaud, on va s'entraîner. On est devant Basic Fit, Basic Frit. Ça te fait rire, ça c'est ouais, son humour, ça. Ouais, un peu. Et on va vous faire une séance, tout simplement, on va la filmer. Là, c'est un vlog, donc appréciez ce vlog, likez ce vlog, commentez ce vlog et dites-nous ce que vous voulez voir, bordel. Nous, on est là pour vous faire kiffer, pour que vous vous évadiez, d'accord? Donc on fait notre séance parce que vous c'est la base. Là. C'est bon. Tu t'évades là? Bon, séance pull, donc ça veut dire dos, biceps, les hams. T'es prêt ou pas? En anglais, ça veut dire piscine. Selon la prononciation. C'est vrai, parce que si on change des lettres, ça veut dire piscine. Eh, hey, il est pas drôle, votre pote. Désabonnez-vous. Toujours les prendre seul. Reviens, Arthur. Vous avez déjà vu sur Instagram, les gars avec leur téléphone, ils font des vidéos, ils font... Ça donne ça. Bah, du coup, là, ça va être le début de séance pull. Dos, biceps et arrière de boule, juste ici, pour avoir une posture assez droite. C'est important de travailler pour éviter d'être foutu vers l'avant. On va commencer cette séance avec un exo de cowboy en premier. On commence avec 4 séries. Nouvel esprit, je monte en 2-2, je paye en cash. Pas de nouvelles, je prends le bigot, ça colle pas. Nouvel Audi, pied sur le plancher, je démarre fort. J'arrive tout chromé, j'écoute l'histoire, ça colle pas, je reste dans ma caisse. Là, on va enchaîner avec du rowing, buste penché à la barre. On reste en équipe, eux solitaires, on est trop fort. Eux sont trop faibles dans la noirceur. Nous, la lumière, ils ont trop peur. On est déter, on est déter. T'es ma main gestuelle, mais t'es malade ou mal avisé. Get ton arme, t'as du mal avisé, ils veulent du. On a toujours dit, le muscle se reconstruit dans les phases de repos. Donc, reposez-vous un maximum. Ok, on passe au troisième exercice, donc là on va être sur du tirage horizontal unilatéral. Leur bain est chaud, le nôtre est frais. Ils ont des potes ou des amis, entre nous on est des frères. Ils font tourner le grand business, on fait jouer le niveau local. Équipe ou nous on passe la balle, t'es trop claqué, où c'est ton camp? Une grosse frappe contre ton clan, on est plus de 100 dans mon
icône, même tout seul la force d'un gang. J'ai une toute nouvelle ce fort, grosse potion magique dans le bol. Trop de travail. On va partir sur un enchaînement pour l'arrière des boules avec des shrugs pour les trapèzes. Boy, une tête cramée comme au d'or, je le sens venir à l'odeur. Le succès, ouais, ça sent fort. Nouvel esprit, je monte en 2-2, tu payes en cash. Pas de nouvelles, je prends le bigot, ça colle pas. Nouvel Audi, pied sur le plancher, je démarre fort. J'arrive tout chromé, j'écoute l'histoire, ça colle pas. Je reste dans ma caisse, moi je les descends. On est de fer, ils sont de cendre. On reste en équipe, eux solitaires, on est trop fort. Eux sont trop faibles dans la noirceur, nous la lumière, ils ont trop peur, on est des fers. La séance, comme d'hab, grosse séance, grosse sensation. Ah oui, ah oui. Journée là, on va filmer un petit reportage sur Deliveroo. Pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne et tout. Et là, bah on va filmer ce reportage. Et là, c'était vif en attendant. Attention, comment on se retrouve avec un sac, c'est pas un sac. C'est un sac Deliveroo, c'est une caravane que tu mets dans le dos. 12 McDo pour 4 balles. Parfait, ça. McDonald's, c'est parti. Ça va récupérer la commande ici, ça va la porter au client. Sur quoi? Sur ton bolide. Regardez mon bolide à moi. 6 vélocités, 10 vies à Ville de Dijon, c'est bon pour vous? Il y a 3 vitesses. Je suis pour faire les backstage, donc il me suit avec un vélo pas fou. Mais... Exactement. Et puis on contrefilme pour le reportage qu'on vous fait là aussi. Hein. N'oubliez pas. Hein. Ça record pour le reportage. De retour. Comment ça va? Livré avec ce vélo Divia là, je peux vous dire que c'est une. Déjà, un vélo normal comme il a, c'est chaud pour de la livraison. C'est une charrue. Ouais. Alors, Divia. Ce matin, on a fait une séance. Bah, la séance continue, les gars. Croyez pas qu'elle s'est arrêtée. Hein. On a livré 2 bougles là déjà. Ils étaient tous super loin. Il y avait c'était que les des plus côtes. Proches qu'on avait en plus. C'était les plus proches. Les plus proches, mais ils étaient tous loin. Les plus proches et aller-retour, ça fait 5 km à chaque fois facile. Super. Bah, allez, on se retrouve tout à l'heure. Là, on récupère une commande à Urban Food. Rappelle toujours hein, que je me trimballe un camping-car. Il y a un abonné très sympa, il va nous en prêter un. On va aller le voir cet après-midi, mais il va dépanner Liam d'un vélo. Donc merci à toi si tu l'enverras. Bon, le tonton, il récupère sa commande. Voilà, là, ça va bien manger ce midi. J'espère qu'il est plus là, le gars. Comme ça, on récupère sa commande, on mange. Je pas là, je prends parce que là, c'est. On a faim. L'heure du repas. Je pense que je vais prendre une collation snap parce que là. Voilà, on est enfin arrivé à destination. Oh, j'ai dégusté. On s'est pris que des montées sur 3. Combien de kilomètres? C'était 3,5 km. Voilà, 3 km 5. On est au centre-ville de Dijon, donc on a quoi? Je déguste. La personne va arriver, on l'a appelé. Non, en vrai, c'était galère. C'était galère. Parce que là, on est en train de livrer dans Dijon. Faut savoir que je pensais que c'était une ville plutôt plate. Pas tant que ça. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on n'en peut plus. On va manger, mon pote. De toute façon, vous verrez. C'est bon pour vous? Oh, c'est bon. Calme-toi, okay, chien. Excuse-moi. Bah, allez, trêve de bavardage. Let's go manger un truc et puis ben, on est reparti pour de nouvelles aventures shooting photo. Reviens ici. Oh, cet animal. Hop, saumon. C'est bon? Riz. Vas-y, on. Moi, bon. Le projet, c'est de se mettre dans un bar et de prendre des photos dans un bar, enfin, un café, un truc comme ça, vous voyez. Le tenue et soin. On a quitté les vêtements de sport, les vêtements de salle pour se mettre correctement. C'est voilà. Précieux. Ceux qui veulent des photos de qualité, n'hésitez pas à contacter les Hams. Il peut vous faire des photos au top. Ah ouais, je vous fais des dingueries. T'arrives, c'est toi en DM. Il gère les retouches, il gère les photos. Franchement, ouais. S'il y a des gens qui ont besoin de photos pour un événement, pour leur Instagram, contactez-le. C'est un photographe. Voilà, il est chaud. Voilà, on s'est posé dans un café sur Dijon. C'est un café de Dijon. Le but, c'est de faire photo style café posé. Vélo qui va dépanner la vie à l'herbe pendant la semaine. Il devrait arriver, il devrait être livré en voiture par un abonné, Justin. Justin, merci beaucoup. Merci, il a répondu à la story, il nous a sauvé la vie. Merci Justin, c'est très gentil. Dieu bénisse. Ça va tranquille? Ça va. Aujourd'hui ou ce week-end, c'est incroyable. On peut remercier. C'est bon. On peut remercier Justin. On a trouvé Justin. Allez vous abonner pour que. Ouais. On va mettre son petit Instagram parce qu'il nous a dépanné. Ouais, il nous a mis bien, mettez-le bien. Il nous a dépanné un vélo.
on va aller le chercher. En vrai, merci beaucoup. Franchement, c'est un Y'a pas de soucis, les gars. T'es un ouf. Magnifique. Là, il faut que tu relâches la tige de. Non, mais en vrai, ça va bien dépanner. On va même te le regonfler à arriver. Magnifique. Vas-y, bah merci, les gars. En vrai, merci beaucoup. Allez, bah let's go pour la suite des aventures. Là, on est devant le Subway. On a pris un peu de poulet pané. Dépanné, quoi. Ouais. T'as fait un jeu de mots avec pour dépanner, ouais. Poulet pané. Ouais. C'est pas mal du tout, ça. La réalité des choses, c'est qu'on va se retrouver juste après pour faire des livraisons pour avoir des thunes. Allez, à tout de suite. Bon, comment on se retrouve? Bah écoutez, là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se casser? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va refaire de la livraison, mais en voiture cette fois. Vous voyez comme il est habillé? Ça, c'est pas pour faire n'importe quelle livraison. C'est pour faire des livraisons de bug. Vous allez voir ça plus en détail dans le reportage sur faire des livraisons pour Deliveroo. Bon, là, on est au Louvre. Oh, je rigole, c'est une grosse blague, on est sur mon ordinateur. C'est l'herbe ce qu'a fait la photo du Louvre à Paris, elle est incroyable. Merci, tu me sauces, non? Ouais, je te sauce un peu. On fait de la livraison. Et en même temps, on va faire le montage de la vidéo qui sortira pour vous aujourd'hui. Puis voilà, tout simplement. Voilà, la productivité, elle a son max. Ah là, on peut pas faire mieux. Allez, on se retrouve à toutes. Ouais, l'équipe, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du vlog de cette journée, ma parole. Et là, on est en train de là, on est en train de faire le montage de la vidéo que vous avez déjà vue. C'est pas drôle, ça? Ça, c'est plutôt marrant. C'est plutôt marrant. Allez, souhaite-leur une bonne soirée. Je vous souhaite à tous une belle et agréable soirée. Dis-leur à demain. Dis-leur à demain. Jésus, à demain. Ciao.